je pense qu'il va venir demain ou après-demain. Mmh. Si, je te parie. C'est le moment où tout commence. On y va, madame ? Allez, madame. Allez, courage. Se dépasser. Allez, encore. Génial. S'émerveiller. Se découvrir. Il a le doigt dans la bouche. La plus belle des émotions. C'est waouh. Y a pas de mots. Des instants gravés à jamais. Oh, les premiers pas, c'est dur, hein. Elle est sage comme une image. Roubaix, dans le Nord-Pas-de-Calais, et sa maternité Paul Gelé. Ici, 2800 bébés naissent chaque année. On y encourage les accouchements physiologiques et l'allaitement maternel, ce qui a valu à la maternité de recevoir le label « Ami des bébés ». Les 6 salles de travail de la maternité peuvent accueillir les mamans à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et aujourd'hui, à 18h, c'est Audrey, arrivée au terme de sa grossesse, qui s'installe en salle de naissance. Elle s'est présentée il y a une heure et elle commence à ressentir de très fortes contractions. Alors, petite fille, c'est ça, vous dites ? Petite fille, oui. C'est froid ? Ça va. Voilà. Merci. Et son grand frère, il est où ? Chez ma belle-sœur. Audrey a 30 ans. Elle est préparatrice en pharmacie. Son mari, Thierry, a 39 ans. Il est informaticien. Thierry était le professeur de tennis de table d'Audrey. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils sont ensemble depuis 13 ans et ils ont déjà un petit garçon, Hugo, qui aura 2 ans demain. Elle voulait pas attendre demain, en fait. Non, elle ne veut pas avoir le même anniversaire que son frère. Ah, c'est ça. Va voir, hein. Elle a l'air pressée, quand même. Ouais, c'est... faire un gâteau pour les deux, c'était bien. Pour soulager les douleurs d'Audrey, Hélène, la sage-femme, a tout de suite appelé l'anesthésiste pour poser la péridurale. Audrey et Thierry ont eu un parcours difficile pour devenir parents. Comme 10% des Français, ils ont eu recours à la procréation médicalement assistée. Hugo est né suite à une fécondation in vitro et Amy, la petite fille qu'ils attendent, a été conçue de la même manière. Après les difficultés qu'ils ont traversées, ils souhaitaient qu'elle naisse le même jour que son frère. Ils avaient même prévu qu'on leur déclenche l'accouchement ce jour-là. Mais le travail s'est mis en route tout seul, 24 heures plus tôt. Au final, on est à quelques heures du 28, donc à 4 heures d'avoir les deux le même jour, le même mois. Donc, Je suis à 3 cm, donc si on compte à centimètre par heure, ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon, sachant que sur les derniers centimètres vont plus vite, mais... Entre 3 et 6, on en a encore pour au moins 2-3 heures sûres. La dernière heure, ça va être rigolote. Audrey et Thierry veulent y croire. Combien de temps vont-ils encore attendre ? Amy va-t-elle naître comme ils l'espèrent, 2 ans jour pour jour après son frère ? Sur les bords de la Méditerranée, Nice et sa maternité de niveau 3 à l'hôpital de l'Archer 2. Ici, on voit naître 2800 bébés chaque année. Grossesse classique ou grossesse à risque, l'équipe est la seule de la région à pouvoir prendre en charge les grands prématurés dans son service de réanimation néonatale. En cette fin de matinée, un jeune couple vient d'être admis en salle de naissance. On y est, quoi. On y est. Élodie, 24 ans, et Julien, 28 ans, attendent leur premier bébé. Élodie est infirmière et Julien commercial. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Depuis 2 ans et demi, ils espéraient ce bébé et avaient même commencé un long parcours de procréation médicalement assistée, comme Audrey et Thierry à Roubaix.
ils avaient fait une première fécondation in vitro qui n'avait pas abouti. Finalement, cette grossesse est venue naturellement et ils attendent une petite fille qu'ils appelleront Luna. Ce matin, on réveille, elle me dit « faudrait qu'on songe à partir ». Et je dis « bon, ok, on est parti là, on est arrivé tranquillement, sans stress, prise en charge et monitoring et on en est là ». Donc ça s'est passé tout dans la douceur. Bon, elle a jamais mal aussi, donc... Maintenant qu'on sait que ça va arriver aujourd'hui, on va laisser faire les choses, mais c'est vrai que là, on est impatient, impatient de la voir, ouais. Très impatient. Ouais. Bonjour. C'est Alice, 26 ans, sage-femme depuis 2 ans, qui les a pris en charge. L'essentiel, c'est que ça, oh, c'est oui, que ça, ça se modifie. Aussi. Le liquide reste clair, le bébé va très bien, c'est super. Elodie est déjà sous péridurale. Une petite pompe lui permet de doser elle-même le produit anesthésiant en fonction de ses douleurs. Le travail va encore prendre du temps. Julie en profite pour s'échapper un peu. Il est parti un peu s'aérer pour passer le temps, parce que bon, c'est vrai que c'est long et il fait rien de plus, donc bon. Il stresse un peu, voilà, le moment voulu. Il ne sait pas trop s'il va vouloir couper le cordon ou quoi que ce soit, mais bon, pour l'instant, je pense que bon, ça va aller. C'est classique. Après 10 heures d'attente. 10 heures. Il est 16 heures. Elodie est en travail depuis plus de 8 heures et les choses avancent bien. Vous êtes à 8 cm. Parfait. Ah oui, il avait dit à partir de 8, il a dit 8. Sans attendre, Elodie prévient Julien. Ouh. Il va falloir qu'on y aille. Hein. Dilaté à 8. Ah. Oh, trop bon, quoi. Trop bon, hein. On y va. Allez, vas-y. Tu me restes un peu là. Cool. Coucou. Et toi? Alors? Oui. Bah, 8. Hein. C'est bon, ça. T'es contente? Voilà. Oui, là. Une belle journée, hein? Oui, je te voyais pas arriver. On m'a dit 5, 6, et puis la 8, j'ai dit bon. À 8, je sors les habits. Donc t'es à la bourre. C'est vrai. 8 et demi. Je sais pas quoi sortir. Mais c'est les premiers. C'est... Tu sors le premier, je te dis. Tonton. C'est ça. C'est ça? Ouais. Petit bonnet. Et ça. Ça. C'est une fille? Oui, sors les gars. Mais il faut que tout t'ouvre. Expert. Tu te regardes d'ailleurs. Je me suis entraîné sur, comme ça sur la table allongée à la maison. Bien sûr, tous les soirs après le travail, une demi-heure. Voilà, elle va pas être toute mignonne. J'ai hâte d'entendre le premier cri et j'ai hâte de la voir. Et on est parti pour une belle aventure. Il va falloir bosser avant quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, va falloir la sortir hein, quand même. Hein. Je te ferai des petits massages. Oui. Tu vas crier? Non, je ne sais pas crier quand même. C'est vrai? Ah ouais. Bon, un petit peu. Hein. Pour sortir la vie, il faut un peu souffrir quand même. Hein. Première prochaine fois, c'est moi. Le travail avance vite. Les habits sont prêts et Julien est revenu. Tout est en place pour l'arrivée de Luna. Julien va-t-il tenir bon pendant l'accouchement? Va-t-il réussir à soutenir Elodie? Dans combien de temps vont-ils découvrir leur petite fille? Paris, hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Implantée au cœur de la capitale, la maternité vient de fêter ses 400 ans. Précurseur depuis les années 1970 dans l'accouchement sans douleur avec la pose de la péridurale, c'est un hôpital universitaire qui forme les médecins de demain. La Pitié-Salpêtrière reste aussi une maternité de proximité à taille humaine qui voit naître plus de 2200 bébés par an. Qu'est-ce que tu dis? Une nouvelle patiente vient de se présenter à la maternité à un mois du terme de sa grossesse. Et c'est Laetitia, une des sages-femmes de garde aujourd'hui, qui va la prendre en charge. Bonjour. On vous a expliqué un petit peu tout ce qui allait se passer ou pas trop trop? Pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous examiner. On va voir comment il est le col
Et en fonction de ça, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. Allez. À 30 ans, Anène attend son troisième enfant. D'accord. Elle a perdu les os la veille au soir, mais elle n'a quasiment pas de contractions. Comme 12 heures se sont déjà écoulées depuis la rupture de cette poche de liquide, l'équipe l'a installée en salle de naissance. Puisque le travail ne commence pas naturellement, il va devoir être déclenché. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, votre col, pour l'instant, c'est encore un petit peu juste pour mettre la perfusion de cytocine avec des contractions qui donnent comme des contractions du travail. Donc, on va le maturer. Donc, ça veut dire que là, je mets un petit comprimé dans le fond du vagin. On attend 6 heures pour voir ce qui se passe. Vous pouvez réagir très vite. Il y a des femmes qui, au bout d'un quart de comprimé, se mettent en route. Il se peut aussi qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça peut prendre 24 heures, comme ça peut prendre 48 heures. Demain, si c'est rien passé dans la nuit, on peut refaire la même chose encore une fois. D'accord ? Après, il faut espérer que ça se mette en route rapidement. Moi, je veux bien que ça se vite. Bah, moi aussi, je veux bien. J'ai plus qu'à attendre maintenant. J'attends les contractions. Bah ouais, c'est ça, exactement. Vous avez tout compris, c'est ce qu'on attend. Anène est déjà maman de deux petits garçons. Ce troisième bébé est une petite fille et tout s'annonce différent. Ça n'a rien à voir avec les deux premières. Le premier, c'était un prématuré. Le deuxième, c'était une très belle grossesse et vraiment de très beaux souvenirs que j'ai gardés pendant l'accouchement. Cette fois, on ne sait pas. C'est la première fois que j'ai perdu les os, donc je ne sais pas comment ça va arriver. Bon, on espère que je ne vais pas trop souffrir. Oui, chérie, ça va? Ah, d'accord, tu es en route alors. Tu as tout apporté avec toi? T'as rien oublié? D'accord, allez, bisous. Au revoir, vas-y. C'est bon, il est en route. C'est dans leur pays d'origine, la Tunisie, qu'Omar et Anène se sont rencontrés il y a 11 ans. Et c'est 2 ans après leur coup de foudre qu'ils se sont mariés. Leurs deux aînés, Elias et Yassi, ont 8 et 9 ans. Depuis plusieurs années, ils ont choisi de construire leur vie en France. Omar exerce son métier de médecin anesthésiste. Quant à Anène, elle s'occupe à plein temps de ses enfants. Omar est enfin arrivé à la maternité. Et sur les recommandations de Anène, il n'est pas venu les mains vides. Ça va, ça avance bien? Ça va, oui. Jusqu'à maintenant, je sens rien. C'est vrai? Oui. C'est un cauchemar sans douleur, a priori. Je l'espère, c'est bizarre, ça. Je crois pas. Hein. Impossible. Ça fait une heure, plus d'une heure. Ouais, ils m'ont mis le cétothèque pour déclencher les contractions. Mais... Et on vous avait dit à quel stade actuellement? C'est à... Elle avance? À 2 cm? Pas encore. Pas encore, d'accord. C'était à 1 cm. Un doigt. On attend. Les enfants? Ça va. Oui. Avec la cousine et tout, ça va. Ça passe bien. Ils ont mangé? Oui, je leur avais acheté un truc et tout, et donc ça va. Ça va, je suis soulagée. Courage. Et le fait que tu es près de moi, déjà, ça change tout. Oui. Bien sûr, parce que je suis personne. Je sais. La famille en Tunisie, pense-moi que tu es là. C'est vrai. Tant mieux. L'essentiel, tout va bien pour toi. Tu n'es pas inquiète, tu n'es pas anxieuse. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Non. Courage. Après 9 ans de mariage, Omar est toujours aussi attentif au bien-être de sa femme. Leur petite fille ne devait arriver que le mois prochain. Alors que tout s'accélère, Omar rassure sa femme. Ils sont prêts pour l'accueillir. Ça va ressembler à son papa, certainement, pour ses caractères. Mais pas de problème. Sympa, gentil. Il se fait des compliments pour lui, là. Mais j'aime pas qu'elle soit médecin comme moi, ça c'est clair. J'aime bien qu'elle soit avocate, j'aime bien qu'elle soit ingénieure, architecte. Si médical, c'est ophtalmologue, voilà, comme ça, elle va me soigner. Au dentiste, voilà, ça c'est sûr. Bon. On a besoin d'un
un dentiste dans la famille. Ah oui, ça ne voit que ça, quoi, dans la famille. Quoi. Ça, c'est sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour, moi. Je me présente, je suis Laetitia, je suis une sage-femme de garde aujourd'hui. Enchantée. Ah, enchantée. Enchantée. Ah, voilà. Voilà, enfin, on arrive. Voilà, c'est pour ça les souriantes, hein, regarde. Ah, bon, bah, c'est bien. Il y a des petites contractions, quand même, vous les sentez ou pas? Non, je sens rien du tout. Bon, bah, ça commence à se mettre en route tranquillement. Apparemment, c'est la personne de sympa qui est sur la liste. Ah, mais c'est sûrement ça. C'est l'effet péridural direct, quoi. Exactement. Bon, en plus, vous êtes anesthésiste, monsieur? Ouais. Bah voilà. Ça lui rassure un petit peu, voilà. Exactement. Cela fait plus d'une heure que Laetitia, la sage-femme, a mis en place un petit comprimé près du col de l'utérus de Hanen. Il contient des prostaglandines, des hormones qui vont faire maturer son col. Mais il faut attendre et laisser ces hormones agir pendant 6 heures. Laetitia préfère que Hanen quitte la salle de naissance pour aller s'installer dans une chambre plus confortable. Le travail va-t-il enfin se mettre en route? Hanen aura-t-elle besoin d'un nouveau coup de pouce pour l'accélérer? Comment Hanen et son mari Omar vont-ils occuper cette attente? Retour à Roubaix, à la maternité Paul Gelé. Cette nuit est un peu particulière. C'est la pleine lune, et même si rien n'est prouvé, la légende veut qu'il y ait beaucoup plus d'accouchements ces nuits-là. Il est 19h30, et dans le bureau des sages-femmes, c'est l'heure des transmissions. L'équipe de jour passe le relais à l'équipe de nuit. C'est la fin de la journée pour Hélène. Plus tôt dans l'après-midi, c'est elle qui a accueilli Audrey et Thierry en couple depuis 13 ans. Ils attendent leur deuxième enfant, une petite fille qui, comme son grand frère, a été conçue par fécondation in vitro et qui va peut-être partager la même date d'anniversaire si elle naît après minuit. Hélène donne toutes les informations à Caroline, la sage-femme qui va désormais les suivre toute la nuit. Et en salle 4, c'est une deuxième part qui est aussi à Termoisin, qui aurait dû être déclenchée demain matin, pour un peu souhaiter des gens parce que c'est l'anniversaire de leur premier demain. Et en fait, elle est revenue parce qu'elle avait rompu à 17h30. Comme ça. Voilà, donc on verra bien si c'est le 27 ou le 28. La nature en a décidé autrement. Bonsoir, Miss Hélène. Je suis Caroline, je suis la sage-femme de ce soir. Très bien. Moi, je vais aller dormir. Et bon courage à Caroline. Bonne soirée. Et là, vous attendez une petite fille. Oui. Un petit garçon, c'est ça. Ouais. Super. C'est bien, elle va s'appeler comment? Amy. Amy, c'est beau. Ouais. S'il y en a encore pour 4 heures, ça sera un peu plus. Oui, il y a un conseiller habile sur, le 28. Sur la date de naissance. Bon, comme ça, si ça va un peu plus vite, ils auront chacun leur jour de naissance. Aussi, oui. Ils enchaîneront les anniversaires. De toute façon, c'est la nature qui décidera, hein, ce genre de choses. On ne pourra pas faire grand-chose pour accélérer ou pour retarder. Hein. À tout de suite. La nuit avance. Il est 23h et Caroline, la sage-femme, vient réexaminer Audrey. Alors, on sent plein de cheveux. Hugo, il avait des cheveux aussi? Oui, il avait des cheveux. Elle fêtera son anniversaire en même temps que son frère. Mais pas loin, 45 minutes. Ça paraissait loin d'arriver au 28 et jamais été aussi près. Le souhait d'Audrey et Thierry a été exaucé. Amy devrait naître 2 ans, jour pour jour, après son grand frère. Il est presque 2h du matin. Après plus de 8h de travail, pour Audrey et Thierry, le grand moment approche. Ça vous pousse beaucoup? Vous sentez la sensation? Vous avez envie d'accoucher comment? Comme ça, avec les jambes sur les étriers, un peu repliées peut-être pour vous aider? Oui. On s'installe. Dans quelques secondes, on va pouvoir la voir, Amy. À partir de maintenant, quand il y a une contraction, vous prenez beaucoup d'air, vous attrapez derrière les cuisses de chaque côté et vous poussez très très fort en bas. Là où vous avez envie de pousser, vous laissez la pousser vous guider, d'accord? Là, s'il y a la contraction, vous pouvez y aller, vous poussez, madame, vous retenez bien. Oui, c'est bien, super. Allez-y, encore. C'est très bien ce que vous faites. Très, très bien. Allez, encore plus longtemps si vous pouvez. Le
C'est très bien ce que vous faites. C'est génial, madame. Super. Allez, encore un tout petit peu. Ne poussez plus. Soufflez bien. Vas-y, elle a une bonne tête. Vous écoutez bien ce que Caroline m'a dit. Audrey pousse très efficacement. Mais la petite Amy a le cordon autour du cou. Un incident anodin qui arrive fréquemment. Plus embêtant, alors que sa tête est déjà sortie, ses épaules restent coincées. Allez-y, très fort. Allez, on y va, on prend le temps. Allez, prends l'inspiration, on y va. Allez, madame. Allez, encore. Costaud, cette demoiselle. Elle arrive. Allez, les filles. Regardez qui est là. Venez la chercher. Allez, regarde, je suis pas contente. Tendez les bras. Sortez-la. Laissez-la sortir avec moi. Vous pouvez y aller, mais c'est si vous voulez. Félicitations. Merci. Salut, Amy. Bonjour, mon petit ami. Continuez à bien respirer, madame, par le portail. Les épaules d'Amy sont restées coincées quelques minutes et elle semble avoir des difficultés pour respirer. Qu'est-ce qu'il nous raconte, voilà. Suis sage. Oh bah oui, hein. Quelle idée de garder les épaules. Tu m'emmènes juste à côté. On va l'aspirer un petit peu, d'accord. Tu m'enlèves. Voilà, voilà, une menace et voilà. On se réveille. Elle a un petit peu bleu sur le visage parce que ses épaules ont eu du mal à venir, hein, d'accord ? Allez, on te fait rien. Juste pour t'aider un petit peu. À l'aide d'une sonde, Adeline, la sage-femme, va aspirer les sécrétions qui encombrent ses voies respiratoires. Gastrique, je sais pas si elle a besoin. Tu sais pas ? Rapidement, la situation s'améliore. Amy commence à rosir, signe qu'elle respire normalement. Elle peut donc retourner auprès de sa maman. Elle a l'air vraiment plus costaud que votre première. Elle est grande aussi. Elle a ses poches, elle est fatiguée. T'es fatiguée ? Déjà fait. Elle sent déjà la langue. Je cherche un petit peu déjà. Elle ressemble à votre première ? Je trouve, enfin, après j'ai... Non ? Il a changé de place. Mais t'en as des grands yeux, toi. Oui, des bonnes joues. Il faudra dormir la nuit. Hein. C'est un cas particulier aujourd'hui. C'est pas le jour. Audrey et Thierry ont réussi leur pari. Ils n'auront qu'un seul gâteau d'anniversaire à faire pour leurs deux enfants. Comment Hugo va-t-il réagir en découvrant sa petite sœur ? Va-t-il apprécier ce cadeau ? Comment vont se dérouler les premiers jours d'Amy ? Retour à Nice. Il est 19h. À la maternité de l'Archer 2, Élodie, 24 ans, et Julien, 28 ans, attendent leur premier bébé, une petite Luna. Ils sont arrivés il y a 12 heures et le travail s'est poursuivi toute la journée, avec un futur papa très enthousiaste, ce qui amuse Alice, la sage-femme qui suit le couple. Je pense qu'il est un peu stressé. Il est tout excité, la bougeotte de partout, mais il est à fond. C'est bien, ça fait plaisir, il investit, il s'intéresse, il soutient sa femme, donc... Ça fait plaisir de les voir épanouis et envie d'avoir ce bébé. C'est beau. Ça va ? Vous sentez que ça pousse ? À chaque contraction, la petite fille descend bien dans le bassin de sa maman. Alice décide de s'installer pour l'accouchement, bientôt rejointe par Johanna, qui est aide-soignante. Ça va ? Je vous vois pas, du coup. Et vous, monsieur, ça va ? Ouais. Ça va nickel. C'est la péridurale qui fait plus effet. Mais... Oui. Allez, grande inspiration. Bloquez votre air et poussez fort en bas. Allez, encore. Allez, longtemps. Allez, chérie. Allez, soufflez. Allez, on respire tranquillement.
Et on se repose. Vous voulez voir? Non. Il n'y a pas de sang, hein? Non, il n'y a pas de sang, non. Et vous, non. Est-ce que vous voulez toucher pour voir les? Non. Non plus. Pour qu'Élodie sente mieux ce qu'elle fait, Alice la fait changer de position. Julien est mis à contribution. Et pour quelqu'un qui ne voulait pas trop regarder, il se retrouve un peu malgré lui aux premières loges. N'ose pas toucher ton manche. Demain, on remet ça? Allez, de toutes vos forces. Voilà, super. Allez, encore. Allez, fort en bas. Allez, on continue. Allez, lâchez pas là, fort, en bas. Julien fait encore un peu le malin, mais on le sent de plus en plus ému. Encore fort, fort en bas. Allez, c'est fait. C'est super ce que vous faites. Du sport, hein? On reprend? Allez, c'est très très bien ce que vous faites. C'est bien, c'est très très bien. Voilà, ne poussez plus, soufflez. Essayez de souffler, voilà, la tête sort. Regardez votre cuisse, elle arrive. Tenez, attrapez-la. Voilà. Bravo. Elle est belle. Bravo. Vous voulez couper le cordon ou pas alors? Entre les deux bras. À 19h41, Luna pousse son premier cri. Et pour le coup, c'est Julien qui ne dit presque plus un mot. Quelques minutes plus tard, Julien a retrouvé ses esprits et sa langue. Il peut prévenir la famille au téléphone. Elle a poussé quelques cris et ben là, elle est sur l'eau et regarde l'eau, elle ouvre les yeux, elle ferme les yeux, elle ouvre les yeux, elle ferme les yeux, c'est trop beau. Elle a pris ses petites couleurs et elle est vraiment très belle. Après, c'est normal, c'est moi, c'est ma gosse, mais bravo, elle est. Ouais, elle est belle. Ah oui, moi, jusqu'à qu'il me vire, je reste là. Pendant ce temps, Élodie a commencé à donner à sa petite Luna sa première tétée. Ça a été quand même relativement rapide. Je n'ai pas eu plus mal que ça, donc... Et maintenant, il l'a. Heureusement, c'est vrai que... Du début jusqu'à la fin... C'est vraiment magnifique. Magnifique. Pas d'autre mot. Depuis, Luna a bien grandi. À 3 mois, elle fait ses nuits et son papa Julien est toujours aussi investi et enthousiaste. Retour à Paris, à la maternité de la Pitié-Salpêtrière. Il est 18h30. Anen, 30 ans, et Omar, 41 ans, sont arrivés ce matin. Ils attendent leur troisième enfant. Ils sont déjà parents de 2 petits garçons, et cette fois-ci, ils vont avoir une fille. Anen a perdu les os depuis plus de 12 heures. L'équipe médicale a décidé d'aider le travail à se déclencher grâce à un médicament à base d'hormones qui agit localement sur le col de l'utérus. Je trouve que tu la supportes beaucoup plus que l'autre fois. Ça va? Ça va. Ça va. Un peu de courage. 6 heures après la pause du médicament, Anen commence enfin à ressentir quelques contractions douloureuses. Essaye de respirer tranquillement à partir du moment que tu aurais en fait une contraction. Tu aurais en fait l'effet des hypnoses, comme ça tu sens rien, je t'assure. Anen a de la chance. Avec un mari anesthésiste, elle est bien épaulée pour gérer ses douleurs. Par le nez, voilà, par la bouche, voilà. Essaye de penser à des choses agréables, je sais pas. Je pense à mes enfants. Ça ne reste que quelques heures, mais non.
C'est Laetitia, 26 ans, sage-femme à la Pitié-Salpêtrière depuis 2 ans, qui est de garde aujourd'hui et qui fait régulièrement le point avec Anen. Vous sentez que ça monte crescendo? Oui, je vous vois à votre visage. Vous me dites quand elle est passée que je peux vous examiner. C'est bon. C'est bon? Soufflez bien. Ça bouge, hein? C'est bien. On va pouvoir poser la péridurale, hein? Je sens la tête qui est pris, ouais. Ouais, ouais. Je sens. C'est descendu. Bon, bah très bien. Le programme, c'est que j'appelle l'anesthésiste. D'accord. Et on commence. Déjà, ça va vous soulager. Vous allez pouvoir souffler un petit peu. Non, ça va. Ça va. Je gère. Je vois que vous gérez bien. Ça c'est va. Bien. Anen gère bien la douleur, mais ses contractions deviennent fortes et intenses. Lorsqu'elles sont provoquées médicalement, elles sont plus douloureuses que celles qui viennent naturellement. Dans ces cas-là, l'équipe médicale propose une pause d'anesthésie péridurale précoce. Oui, c'est Laetitia. Écoute, je t'appelle parce que j'aurais besoin d'une péri en salle 5 pour une troisième part qu'on a maturée aujourd'hui pour durée d'ouverture de l'os supérieur à 12 heures et qui là se met en route à un col diatabe à 3 cm. A tout de suite. Après avoir endormi localement le bas du dos de sa patiente, le médecin guide une aiguille entre 2 vertèbres pour atteindre l'espace péridural. Puis il introduit un cathéter par lequel sera injecté le produit anesthésique. Dans 20 minutes, Anen sera soulagée des douleurs liées aux contractions. Mais elle gardera des sensations pour pousser le moment venu. 20h. Laetitia est là depuis 8h du matin et sa garde se termine. Elle passe le relais à Audrey, 28 ans, sage-femme à la Pitié-Salpêtrière depuis 5 ans, qui va passer les 12 prochaines heures en salle de naissance. Alors, ensuite, au 5, il y a une troisième part qui a été vue ce matin en consulte. Et en fait, Et en fait, en consulte, elle s'est rendue compte qu'elle avait rompu depuis hier soir. Elle a eu 1/4 de comprimé de Cytotec et puis ensuite, elle est remontée dans sa chambre. Elle est redescendue. Ça contractait franchement bien, mais c'était assez logique. Voilà. Et donc, elle a passé... donc là, elle avait un col intermédiaire mi-long, 2 doigts juste. Une heure après, elle avait un col à 2 doigts large, dilatable à 3 cm. Donc là, j'ai fait poser la péri. Elle a un liquide qui est toujours clair, contracte bien. Okay. Donc voilà. Elle se met en route tout doucement. Ok. Voilà. Allez, souffle, madame. C'est très sympa. Ça peut aller, c'est bien. Alors du coup, je vous présente ma relève, Audrey. Ça commence à marcher, la péridurale? Oui, je sens plus les contractions. Parfait, déjà. C'est magique, ça. Quelle belle invention pour la femme. Bon, ma part, bel accouchement. Plein de belles choses. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. Faites ça tout bien. Merci encore. Et puis, bah, au plaisir. Avec votre bébé, la prochaine fois qu'on se verra. Ah, c'est bizarre de vous dire. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Je peux même endormir. La nuit avance. Audrey, la sage-femme, vient contrôler l'avancée du travail. On va faire le point, du coup. On va voir un petit peu si le col, il a bougé. Bah oui. On est à 4 cm. Donc ça a un petit peu bougé, mais finalement pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un produit dans la perfusion pour essayer de rapprocher un petit peu les contractions. Ce produit dont parle Audrey, c'est l'ocytocine. Cette hormone injectée par intraveineuse augmente la fréquence et l'intensité des contractions utérines. Après 14 heures passées en salle de naissance, il faut maintenant que le travail s'accélère pour ne pas risquer une souffrance fœtale. Le travail va-t-il progresser suffisamment pour qu'Anen puisse accoucher naturellement? Comment Anen et Omar vont-ils gérer leur fatigue? Leur bébé va-t-il supporter un travail aussi long?
retour à Roubaix, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le secteur des suites de naissance de la maternité Paul Gelé, Thierry et Audrey préparent le premier bain d'Emmy, né il y a 2 jours. Audrey, 30 ans, est préparatrice en pharmacie. Elle est mariée avec Thierry, 39 ans, qui est informaticien. Ils ont déjà un petit garçon de 2 ans, Hugo, né 2 ans jour pour jour avant sa petite sœur. Pour la petite fille, ce matin, ce sont les derniers soins avant de partir pour la maison. On a un grand bébé à 52. Hein. 52. Voilà. 52. Comme Audrey est déjà maman et que tout va bien pour elle et pour Amy, l'équipe médicale l'a autorisée à sortir très vite. Je sors au bout de 2 jours, on va dire 2 jours et demi. J'ai accouché dimanche matin très tôt et là, on est mardi. On rentre à la maison. Petite sortie précoce, mais... Je suis mise à la maison. On aime bien vite reprendre ses repères chez soi. La petite s'habitue tout de suite. La valise est bouclée, Hugo vient d'arriver et c'est en famille qu'ils vont quitter la maternité. Du haut de ses 2 ans, Hugo ne comprend pas très bien ce qu'est un bébé, mais il va devoir apprendre à vivre avec cette nouvelle petite sœur. Devoir apprendre à partager sa maman et à échanger sa place de bébé de la famille contre un rôle de grand frère. Un gros bébé de 2 ans. Et Emmy, elle va aller où, Hugo? Le bébé. Bah oui, mais t'es dedans. On met le bébé? On met le bébé? Allez, c'est parti. Ça va être différent du premier. Il va falloir s'occuper d'Hugo d'un côté et la petite de l'autre, donc... Tu fais? Allez. On y va, Hugo? Tiens la porte. Moins de 3 jours après leur arrivée à la maternité, Audrey et Thierry rentrent à la maison. Audrey et Thierry ont vécu un long parcours de procréation médicalement assistée. Ils ont longtemps rêvé de fonder une famille. C'est aujourd'hui chose faite avec Hugo et Amy. Nice, centre hospitalier universitaire de l'Archer 2. Maternité de référence où naissent 2800 bébés chaque année, c'est ici que se trouve le seul service de réanimation néonatale de la région. Un service capable de prendre en charge les très grands prématurés. Sous les lampes bleues, en pleine photothérapie, le petit Jason est né il y a 2 jours à 6 mois et demi de grossesse. Il pèse seulement 1 kg et 340 grammes. En fait, c'est un problème d'immaturité du foie qui élimine pas certains enzymes. Bon, c'est un peu compliqué. Du coup, on met une petite lumière bleue pour aider un petit peu à éliminer la bilirubine qui est en excès. C'est des séances de 12 heures. On protège les yeux parce que ça peut être mauvais pour la rétine. Et voilà, dans 12 heures, on l'éteint. Depuis 2 jours, les examens se succèdent pour le petit garçon, qui est nourri par une sonde et reçoit des médicaments par une perfusion qui passe dans son nombril. Cet après-midi, il est en pleine échographie cardiaque quand ses parents Jessica et Georges viennent lui rendre visite. Jessica, 29 ans, et Georges, 28 ans, sont ensemble depuis 2 ans. Jessica était déjà maman d'un petit Jamie, qui a 6 ans et demi aujourd'hui, quand elle a rencontré Georges, qui est maçon. La jeune femme, mère au foyer, a connu de nombreux problèmes dès le début de cette 2e grossesse et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises avant son accouchement en catastrophe. Au service de réanimation néonatale, l'équipe termine l'examen du canal artériel de Jason. Ce petit clapet dans le cœur se referme à la naissance chez les nouveau-nés en bonne santé. Là, il est fermé, donc tout va bien. Une fois qu'il est fermé, il est fermé. Ça va. On n'en parle plus. Ça va.
Il y a deux jours, Jessica, qui vit en Corse, avait été transférée de Bastia en avion sanitaire. La future maman avait de la fièvre et elle avait brusquement perdu les os. Les médecins du CHU de Nice n'avaient plus d'autre choix que de la faire accoucher par césarienne et en urgence, malgré son terme précoce. Vous vous sentez de le faire ou pas? Je vais regarder, là, ouais, quand même. Pas de souci. Gesticule tout bien, votre bébé. Jessica a beau être déjà maman d'un premier enfant, elle est quand même un peu impressionnée. Elle n'ose pas encore vraiment mettre les mains dans la couveuse. Nathalie, la puéricultrice, va doucement la mettre en confiance. Donc vous voyez, juste pour les prochaines fois, quand vous le changerez, vous, en fait, sur le petit bébé prématuré, comparativement au bébé à terme, comme on voit souvent, souvent on voit les gens prendre par les pieds comme ça et soulever. Chez les petits bébés prématurés, on évite. Et on bascule, des jambes tout regroupées. Donc voilà, en principe de main, donc on lui enlève le petit cathéter qu'il a dans le nombril. Et ensuite, on pourra le mettre au bras pour faire tous les câlins possibles ou imaginables. J'essaie d'ouvrir un peu les yeux. Coucou. Allez-y, hein, vous pouvez lui attraper la petite main, vous pouvez le caresser. Magnifique, c'est, je m'attendais à un bébé vraiment tout petit, pas du tout comme ça. Quoi. C'est vrai que j'avais très peur en fait. Et puis en définitif, ça va. Puis les médecins ils me rassurent bien, donc là, je suis contente. Rassuré par Nathalie, Georges le papa finit lui aussi par oser mettre la main dans la couveuse. Pour le moment, Jason ne peut pas être pris dans les bras. Il faut limiter les risques d'infection tant qu'il a une perfusion dans le nombril. Comment Jason va-t-il évoluer? Combien de temps va-t-il rester hospitalisé? Quand Jessica et Georges pourront-ils lui faire son premier câlin? Dans un instant. À Paris, les heures passent et le travail progresse pour Anen. Comment se sent-elle à l'approche de la naissance de sa petite fille? Je veux la découvrir. J'ai découvert son visage, comment elle va me ressembler, ressembler à son père, je sais pas. Je suis excitée. À Roubaix, Lydie et Sébastien attendent leur premier bébé. Mais la grossesse est difficile et Lydie n'en peut plus. Elle souhaite que l'équipe médicale déclenche son accouchement en avance. Obtiendra-t-elle satisfaction? Moi, j'avais demandé de la déclencher si c'est possible. Je commence à avoir, on va dire, moral à zéro. À Nice, comment se poursuit le parcours du petit Jason, né à 6 mois et demi de grossesse, que sa maman va enfin pouvoir prendre dans ses bras? J'ai même pas pu, même à l'accouchement, lui faire un bisou, rien, le toucher, donc là, c'est trop bien. Paris, hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est 1h30 du matin. Anen, 30 ans, et Omar, 41 ans, sont arrivés il y a 17 heures en salle de naissance. Ils attendent leur troisième enfant, une petite fille, après deux garçons. Pour Anen, le travail est très lent à se mettre en route. Et Audrey, la sage-femme de garde cette nuit, a décidé de lui injecter de l'ocytocine, une hormone qui va augmenter la fréquence et l'intensité de ses contractions utérines. Oui, je sens que il y a quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de... Vous voulez sortir, donc. On va refaire le point, du coup. Ça y est, on est à 10 cm. La dilatation complète. C'est parfait. Je l'ai senti. J'ai senti la tête. Descendre après un coup. Oui. C'est parfait. Alors, on va essayer de se laisser un tout petit peu le temps pour que votre bébé descende bien dans votre bassin. Vous n'ayez pas trop à pousser. Ouais. Et puis, on va essayer aussi qu'il tourne sa tête parce que là, pour l'instant, il regarde plutôt vers le haut. Et pour descendre plus facilement, c'est mieux de regarder vers le bas. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Le travail a pris une excellente tournure. Il ne reste plus au bébé qu'à se frayer un chemin dans le bassin de sa maman. Cela peut prendre jusqu'à 2 heures. Pour faciliter cette dernière ligne droite, Audrey décide de mettre Anen dans une position bien particulière. Alors, cette position, ça va aider à tourner votre bébé et ça va aussi l'aider à descendre dans le bassin. Donc, vous risquez de sentir que ça pousse un peu en bas.
C'est normal, hein. La sensation risque d'être un tout petit peu augmentée. Bon, on est censé, ça, c'est bon, c'est fini presque. Tu dors, toi. Ah oui. Tu dors encore. Mais c'est pas grave, de toute façon, tu vas te reposer, quoi. Rapidement, après. Ça va. Mmh. À l'approche du grand moment, Anen ne cache pas son impatience. Je suis excitée. Non, c'est bizarre, c'est comme si c'est la première fois que je vais accoucher en fait. Je sais pas. Attendre une fille quand même, après deux garçons, ouais. Ça change un petit peu la vie, quoi, ça, c'est sûr. Je veux la découvrir. Je vais découvrir son visage, comment il va, elle va me ressembler, ressembler à son père, je sais pas. Plein de choses dans ma tête, ce qui me laisse excitée. Je peux pas dormir, j'ai pas pu dormir tout à l'heure. Et pourtant, les débuts de cette grossesse ont été très difficiles pour le couple. Anen s'est posé beaucoup de questions. Au début, j'ai pas accepté la grossesse elle-même, en tant que... Je tombe enceinte et tout, c'était pas programmé, c'était une surprise pour moi et j'ai pas pu gérer cet événement. J'ai voulu faire l'IVG, hein. Je suis allée, et je suis entrée dans la salle d'opération, je me suis allongée. J'ai attendu le médecin, mais il est venu en retard, donc tellement que j'ai attendu, je suis sortie. J'ai pas pu le faire. J'ai trouvé mon mari en train de pleurer, en fait, parce qu'il voulait garder le bébé. Et après, je lui ai dit, ça y est, on le garde. Mais c'est le bonheur. Oui, c'est vrai. On n'a pas regretté. Heureusement. Heureusement qu'on l'a gardé. Ouais. On y va. Après presque 20 heures de travail, l'accouchement est imminent. Audrey, la sage-femme, se prépare pour accueillir le bébé d'Anen et Omar. À la prochaine contraction, c'est vous qui me dites et vous pouvez pousser. D'accord ? Ça y est, tout le monde est prêt. Ok. Allez-y, continuez, bien en bas. Oui. Allez-y encore, 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 encore. Allez-y encore un peu. Oui. Très bien. Parfait ce que vous faites. Anen est appliquée. Encore un petit peu. À chaque contraction, il faut qu'elle retienne sa respiration en la bloquant et qu'elle pousse aussi longtemps que possible. Ouais. Je sens sa tête. Ouais. C'est normal que vous sentiez ça, vous êtes à bien pousser. Poussez là où vous sentez. Très bien. Le travail de respiration d'Anen est très efficace. Elle accompagne parfaitement son bébé. Tu l'as bien soufflé. C'est bien, il y a presque la moitié de la tête qui est dehors. Il ne lui aura fallu que 10 minutes pour mettre au monde sa petite fille. Je vous le donne. Attendez, ça va venir. Il est 3h09 du matin quand la petite Yara pousse ses premiers cris. Monsieur, est-ce que vous voulez couper le cordon ou pas? Ah oui. Oui. Attention à mes doigts. C'est bon. Allez-y. Parfait. Bravo. Ouais. Alors, attends, parce que là... Bah oui. Ça, ce sera mieux. Elle est toute petite. C'est mignon. Oh. Si c'est mieux, c'est bienvenue à notre monde. Thank you.
Comme après chaque naissance, c'est la sage-femme qui se charge des premiers soins du bébé. Elle vérifie que tout va bien et lui donne la vitamine K nécessaire à tous les nourrissons dès les premières heures de vie pour favoriser une bonne coagulation. Puis Audrey aide Anen à la mise au sein. Elle accompagne la jeune maman pour cette tétée de bienvenue. Après, c'est normal, hein, c'est sensible au début, hein, forcément. Hein. Ça va? Oui. D'accord. Elle se débrouille très vite. Bah oui. Ça va, va. À partir de maintenant, la sage-femme va laisser Omar et Anen faire connaissance avec leur petite fille. Dans quelques heures, ils quitteront tous les trois la salle de naissance pour aller dans le service des suites de couches. Anen va-t-elle bien récupérer de cet accouchement marathon? Comment vont se passer les premiers jours de Yara? Roubaix, deuxième agglomération du Nord-Pas-de-Calais. Au cœur de la ville, la maternité Paul Gelé. Dans le couloir des consultations, Lydie et Sébastien patientent. Ils ont rendez-vous avec le docteur Bresson, qui suit Lydie depuis le début de sa grossesse. Bonjour. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu en consultation. Et donc, il y a toujours ce petit problème de la croissance du bébé. Oui, le problème de la croissance du bébé. Voilà. Il suit sa cour, mais qui reste quand même un petit bébé. Oui. Lydie et Sébastien, 24 et 26 ans, sont en couple depuis 4 ans. Lydie est en recherche d'emploi, alors que Sébastien est menuisier agenceur. Ils attendent leur premier bébé, une petite fille qui se prénommera Léa. Mais la grossesse de Lydie est difficile. Elle souffre de fortes nausées, de troubles du sommeil. Elle a dû rester alitée et leur petite fille présente un retard de croissance. Alors qu'elle entame tout juste son 9e mois de grossesse, la jeune femme n'en peut plus et n'a qu'une envie, accoucher, enfin. Mais par contre, moi j'avais demandé de la déclencher si c'est possible. Alors je regarde le terme déjà. Le terme c'est le 6 novembre. Et déclencher par rapport au petit pont, parce que par là... Par rapport à la fatigue, et je commence à avoir, on va dire, moral à zéro. Alors dites-moi ce qui ne va pas exactement. Je dors plus. Bon, c'est un bébé qui bouge bien. Bah, à l'échographie, la quantité de liquide est normale, le Doppler est normal. C'est juste pas un gros bébé. Et puis bon, on sent qu'il y a quand même une part constitutionnelle. Hein. Vous n'êtes pas très grande. Oui, non, mais je m'en doutais un peu. Léa sera un petit bébé, mais rien d'inquiétant. En revanche, ce qui préoccupe le docteur Bresson, c'est que Lydie a régulièrement une tension trop élevée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous renvoyer au bloc. On va faire le contrôle monitoring aujourd'hui. D'accord. On va vous reprendre votre tension bien au calme, bien au repos. Oui. Si le monito est parfait, moi je suis d'avis pour vous déclencher, mais plutôt la semaine prochaine, 15 jours avant terme. D'accord. Début de semaine. Par contre, si votre tension elle est un petit peu limite ou si le monito n'est pas parfait, bon, là, on vous déclenche demain. D'accord. D'accord. Voilà, je vous laisse aller au bloc, vous savez où c'est. Oui, sûr. Pendant toute sa grossesse, Lydie a fait des monitorings de contrôle. L'équipe la connaît bien. On vous voit souvent quand même, vous. Ces derniers temps, oui. Hein, j'avoue, oui, j'avoue, ces derniers temps. Je vais la faire plus loin. 12-8, la perspective d'un prochain déclenchement réjouit Lydie, même si Sébastien, lui, n'était pas forcément pour. Au début, j'étais contre le fait qu'elle le déclenche. Parce que si c'est 9 mois, c'est prévu 9 mois, donc... Mais là, vu son état et le fait que moi non plus, du coup, je dors plus, je pense que c'est peut-être pas plus mal. Une demi-heure plus tard, la tension et le monitoring sont normaux. Le déclenchement est prévu 4 jours plus tard, à 2 semaines du terme. S'il n'y a rien qui se passe avant lundi, vous revenez lundi matin, 7h30 ici, vous vous présentez ici. Je vais garder votre dossier, comme ça on a tout. D'accord, tout est arrivé. Et puis voilà, on partira pour un déclenchement. Bon, et ben rentrez bien, et puis je vous rentre lundi parce que je suis pas là, et à plus tard. D'accord. Lydie et Sébastien rentrent chez eux. Encore quelques jours de patience. Trois jours après leur dernière visite à la maternité, Lydie et Sébastien sont finalement de retour.
Lydie avait rendez-vous le lendemain pour un déclenchement. Mais le travail s'est mis en route spontanément dans la nuit. Sans attendre, Lydie est mise sous anesthésie péridurale. Bon, en fait, hier soir, au cours de la soirée, Lydie se plaignait d'avoir des douleurs. Mais c'était assez irrégulier, en fait, donc c'est pas trop inquiété tout de suite. Vers minuit, à peu près, ça a commencé à être un peu plus régulier. Du coup, ce matin, à 7h30, elle est venue me chercher un peu en panique pour me prévenir qu'il fallait venir ici assez vite parce que ça arrivait, quoi. Des trois sages-femmes de garde aujourd'hui, c'est Adeline qui a pris en charge le couple. Ça va, madame ? Qu'est-ce que vous sentez ? Elle pousse. Plus que tout à l'heure ou de la même façon ? Plus que tout à l'heure. Plus que tout à l'heure. Vous, monsieur, ça va ? Oui. Pas trop fatigué ? Non, ça va pas trop. On avait dit son poids estimé, 2,6 kg à peu près ? La semaine dernière. C'était ça ? La semaine dernière, ouais. Et vous pesiez combien à la naissance, chacun ? Moi, je faisais 2,5 kg. Ouais. Et moi, 4,3 kg. Ah, bien. D'accord. Moi, je pense qu'elle tient plus du côté de maman, alors. Elle est très, très basse, votre petite. C'est pour ça que je dois vous faire un peu plus mal. On est à 8 cm. Déjà ? Déjà, comme vous dites, c'est bien. Votre petite, elle demande qu'une chose. C'est de venir nous voir. Je te rends ta main. Merci. Pour aider le bébé à bien se positionner dans le bassin, Adeline installe Lydie sur le côté. Parce que je sais pas où est-ce qu'elle est, ma jambe, en fait. Elle est là. Je sens pas mes jambes. En fait. Voilà, c'est juste pivoter encore un tout petit peu le bassin et vous serez bien. Voilà, super. Qu'est-ce que ça fait comme sensation, madame, tout de suite ? Ça tire. Ça tire en bas, ça pousse encore plus. Oui. On est à 8 cm, là elle a très envie de descendre, mais ça peut ne pas être pour tout de suite maintenant, donc il ne faut pas laisser la douleur augmenter. Hein. Pour un premier bébé, le travail avance vite. Mais Lydie n'a suivi aucun cours de préparation à la naissance. Comment va-t-elle gérer son accouchement ? Va-t-elle trouver les ressources nécessaires ? Combien de temps Lydie et Sébastien vont-ils devoir encore patienter ? Retour à Nice, à l'hôpital de l'Archer 2. C'est ici qu'est né par césarienne le petit Jason, après seulement 6 mois et demi dans le ventre de sa maman Jessica. La jeune femme avait fait une poussée de fièvre et brusquement perdu les os. Grand prématuré, le petit garçon d'un kilo et 340 grammes a été immédiatement pris en charge au service de réanimation néonatale. Jason n'est encore jamais sorti de sa couveuse et n'a jamais été pris dans les bras. Aujourd'hui, 5 jours après sa naissance, il va enfin vivre son premier câlin peau contre peau avec Jessica, sa maman, sous le regard attendri de Georges, son papa. J'ai même pas pu, même à l'accouchement, lui faire un bisou, rien, le toucher, donc là c'est... C'est trop bien. Très mignon. J'arrive pas à trouver les mots. C'est bien, c'est agréable, c'est... On pense à plein de trucs, là. Même si, bon, on dit que ça va bien, il y a toujours l'inquiétude. Hein. Tant qu'on sera pas sorti des hôpitaux, de toute manière, il y aura l'inquiétude. Le prochain prise au bras, c'est toi. J'ai pété, on n'est pas en train de faire quelque chose. Une semaine plus tard, et à contre-cœur, Jessica, la maman de Jason, a dû retourner en Corse, où son fils aîné de 6 ans et demi l'attendait. Jason a maintenant 3 semaines, et les puéricultrices de réanimation néonatale, comme aujourd'hui Virginie, font tout leur possible pour que cette séparation forcée se passe bien.
comment je suis beau maintenant. Et ben Jason, il attend de rentrer à Bastia avec beaucoup d'impatience parce que Jason, il va bien. Il fait plus d'un kilo cinq. Un petit bébé à qui on parle. Et puis, qui préférait sûrement la voix de sa maman, mais bon. Hein? Dis, qu'est-ce que t'en penses? Jason préférerait sûrement la présence de sa maman. Mais il doit encore grossir et grandir un peu avant de quitter Nice. Hein? On peut se recoucher? On va essayer de se mettre un peu de l'autre côté. Bientôt, Jason partira lui aussi pour Bastia. Mais une fois là-bas, pas question de rentrer tout de suite à la maison. Il sera transféré en service de néonatologie pendant encore plusieurs semaines. Quand pourra-t-il rejoindre la Corse? Combien de temps ses parents vont-ils encore rester loin de lui? Paris, hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Anen est désormais installée dans une chambre à l'étage des suites de couches. Après un accouchement marathon qui a duré près de 20 heures, elle a donné naissance à son troisième enfant, une petite Yara, née avec un mois d'avance. Aujourd'hui, Yara a deux jours, mais son état de santé est inquiétant. Son teint jaune a été le premier indicateur, mais c'est surtout son manque de tonus qui a alerté les médecins. Yara fait une forte jaunisse du nourrisson. Ce qui m'inquiète, c'est son calme. Elle est trop calme. C'est vrai qu'elle réagisse un peu. Elle n'a pas l'énergie pour bien téter, c'est en discontinu. C'est ce qui m'inquiète, c'est sa santé en fait. Est-ce qu'elle va bien? La jaunisse du nourrisson touche un bébé sur deux à la naissance, mais la plupart du temps, elle est sans conséquence. Dans le cas de la petite Yara, elle est plus sévère. Son foie a du mal à bien remplir son rôle, et non traitée, elle pourrait endommager son cerveau et laisser des séquelles. C'est cela qui préoccupe beaucoup Anen et Omar. Surtout que le papa est médecin et connaît bien les risques. J'ai bien entendu sa voix. Ah non, franchement... Omar, faut pas trop s'inquiéter, là. Je sais, mais bon, c'est ce n'est qu'un bébé, quoi. Ça va. Bon, on a de l'espoir quand même, quoi. Coucou. Ah, je sais. Tu vois, il est très jeune, quoi. C'est... Il est très jeune, quoi. Ça va disparaître. Ouais, encore assez, toi. Mais ça va disparaître, papa. Ah, elle te sourit encore. Ah. Comme pour le petit Jason à Nice, le traitement qui s'impose est la photothérapie. Yara va devoir passer de longues heures sous une lampe de couleur bleue pendant plusieurs jours. Bon, je prends sur toi pour s'occuper bien. D'accord. Ah, je t'embrasse. Ok. Ça va pas s'angoisser trop. Non, ça va. C'est l'émotion, c'est tout. Mais ça va aller. Tu sais très bien qu'elle est courageuse, elle s'en sortira. Ouais. N'est-ce pas, ma chérie? Ouais. Une semaine plus tard, Anen et Yara sont toujours à la maternité. La surveillance quotidienne est indispensable. Les bilans et les flashs lumineux s'enchaînent pour surveiller l'évolution de la jaunisse. Je vais repasser toute la heure encore pour la reflasher. Pas de problème, hein. Vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon goûter. Merci encore.
La petite fille poursuit aussi ses séances de photothérapies intensives, nuit et jour, en service de néonatologie. Les moments passés avec sa maman sont rares. Une situation qu'Anaëlle commence à avoir du mal à supporter. La séparation, c'est dur, hein, c'est dur. Surtout dans la chambre. Moi, je suis en très bonne santé, mais je suis seule. Et elle, loin de moi, ça vraiment, c'est dur pour moi, ça, au début. Bon, il faut un peu de patience. Ce qui vraiment m'inquiète, j'ai les enfants à la maison qui attendent aussi. Je suis coupée en deux parties. Les enfants à la maison avec mamie et mon petit chou Bouchou qui a besoin de moi aussi. Qui est trop fragile. Donc c'est une priorité pour moi. Cela fait 10 jours que Yara est traitée contre la jaunisse. Elle aurait dû sortir depuis une semaine, si son état de santé l'avait permis. Aujourd'hui, le pédiatre du service vient faire le point avec Anaëlle sur les derniers examens de sa petite fille. Bonjour madame. Il faut la garder encore 48 heures après la photothérapie, après vous sortez à la maison. D'accord, okay? D'accord. Bon, merci encore docteur, c'est très bien. Gentil. Allez, bon courage madame. Merci. Au revoir. Tu seras près de moi. C'est une excellente nouvelle pour Anaëlle. Elle est rassurée, elle va pouvoir enfin rentrer à la maison. Retrouver Omar et ses deux grands-enfants qui attendent le retour de leur maman et de leur petite sœur avec impatience. Dans un instant, à Nice, le petit Jason poursuit son parcours tout seul à l'hôpital. Quand pourra-t-il enfin être transféré en Corse où l'attendent ses parents? Alors Jason, tu sais, maman et papa, ils sont déjà là-bas, ils t'attendent. On change la couche, on se fait tout propre pour faire le voyage. À Roubaix, après une grossesse épuisante, Lydie est enfin sur le point d'accoucher. Mais sans préparation à la naissance, elle panique. Comment Adeline, la sage-femme, va-t-elle réussir à la rassurer? On fait une pause. Regardez-moi, madame. On va se concentrer sur le fait de prendre une grande inspiration et de pousser très fort et très longtemps. Ouh, ça fait mal, là, par contre. Retour à Roubaix, à la maternité Paul Gelet. Dans une des salles de naissance, Lydie, 24 ans, et Sébastien, 26 ans, attendent leur premier enfant, une fille qui s'appellera Léa. La grossesse de Lydie a été très éprouvante, d'autant que son bébé a souffert d'un petit retard de croissance intra-utérin. Il est midi et demi. Lydie et Sébastien sont arrivés à la maternité tôt ce matin. Pour un premier bébé, le travail a été très rapide, puisque 4 heures après leur arrivée, c'est presque le grand moment. Je peux pousser ? Allez-y, madame. C'est Adeline, la sage-femme qui suit le couple, qui va réaliser cet accouchement avec Noémie, une auxiliaire de puériculture. Gardez l'air dans les poumons, reprenez plein d'air. Poussez-la, vous la sentez en bas. Allez, encore plus fort que ça. Ouais, c'est bien, madame, encore. Maintenez. Servez-vous de cette sensation-là, c'est parfait, madame. Si ça vous soulage, on y va encore plus fort. C'est super, madame. Vas-y. Ouh, ça fait mal, là, par contre. Soufflez, madame. On souffle tout. On fait une pause. Regardez-moi, madame. On va se concentrer pour que les efforts expulsifs soient le plus efficaces possible. C'est-à-dire, on va se concentrer sur le fait de prendre une grande inspiration et de pousser très fort et très longtemps, plutôt que plein de petites fois. D'accord? C'est très bien ce que... Ça fait mal? Oui. Alors, on y va. Et très fort et très longtemps, comme vous faisiez tout à l'heure. Allez, encore. Allez. Super, voilà, comme ça, madame. Allez, forcez sur la fin. Gardez l'air. À chaque fois qu'on entend que le bruit sort de votre bouche, c'est que vous lâchez de l'air. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, gardez bien l'air. Je sais que c'est difficile. Lydie n'a pas suivi de cours de préparation à l'accouchement. Alors Adeline lui donne des conseils afin qu'elle pousse plus efficacement. Voilà, là c'est bien. Allez, on apprend la même chose. Reprenez de l'air et la même chose.
fait très très bien. Allez, allez, encore, encore, allez, encore. Respire. Allez, encore. Allez, allez. Allez, encore, 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 encore. Encore. Bah, à force de pousser, j'ai la tête qui tourne. Allez, on y va. Tirez, 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 tirez sur vos bras. Allez, allez, madame, continuez, continuez, continuez. Lâchez allez. Pas, lâchez pas, lâchez pas. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Là, vous poussez pas, là, madame. Là, elle est descendue. Mais il faut qu'elle se bloque. À un moment, elle se bloque et elle ne pourra plus remonter du tout. D'accord. C'est pour ça que je vous demande vraiment de pousser le plus longtemps possible et vous poussez très très bien. C'est juste que vous avez tendance à vous arrêter quand vous la sentez descendre un petit peu plus. Ah, d'accord. Encore, encore. Oui, génial. Encore, allez, encore, encore, ça. Encore. Allez. Allez, fâchez-vous. Allez. Il est 12h57. Léa prend sa première bouffée d'air. Lydie a finalement réussi à pousser parfaitement. Essuyez-la. Félicitations, madame, vous avez été super courageuse. Oh, bah oui, bonjour. Vous voulez couper le cordon, monsieur ? Maman, trouvez des pinces. Ah non, ma princesse. Félicitations. Voilà. Oh. Elle va recracher, hein ? Oui, je veux. Bonjour. Elle est petite. Alors, c'est alors, ma princesse, mais... Coucou. Alors, ma fille. J'ai du chagrin. Oh, tu fais des bulles. Ouais, tu fais des bulles. Quelques minutes après sa naissance, Léa respire un peu bruyamment, ce qui montre qu'elle a des difficultés. Adeline décide de placer un capteur autour de son poignet pour vérifier son taux d'oxygène dans le sang. Je l'emmène juste à côté, monsieur. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Je vais passer un petit tuyau dans sa gorge. Voir ça va te soulager. Oh bah oui, oh bah oui. Oh, il y en a plein, c'est très doux. Allez, on y va. Oh, tout ce chewing-gum, t'es trop petite pour manger du chewing-gum. Des sécrétions encombrent les voies respiratoires de Léa et la petite fille ne réussit pas à s'oxygéner correctement. Vous voyez, quand c'est épais comme ça, les bébés ont du mal à le résorber tout seul, donc il faut les aider. Adeline va répéter l'opération 3 fois, mais Léa a toujours du mal à respirer. Alors la sage-femme décide d'appeler la pédiatre de garde. Elle arrive. Le petit bruit qu'elle fait là, en fait, ça nous montre qu'elle a un petit peu de mal à respirer. Premier bébé, et elle sature à 80. On a combien de temps d'aller faire ? On a dit, il est quelle heure ? On est à 30 minutes de vie. 30 minutes, oui. Elle se prête encore, un petit peu. Moi, je l'ai aspiré 3 fois, plus le gastrique. Et elle sécrète. La pédiatre décide de remettre Léa en peau à peau sur sa maman. Mais elle l'aide avec un petit tuyau dans le nez qui lui apporte de l'oxygène. On va continuer à la surveiller avec l'appareil à saturation. Là, ça reste difficile pour elle, hein. Son taux d'oxygène dans le sang ne remonte pas suffisamment. Léa est finalement installée en couveuse. Bah oui, tu te débats, mais t'as raison, moi aussi je me débattrai à ta place. Une fois dans la couveuse, son taux d'oxygène remonte. Elle a repris des paramètres qui sont satisfaisants, mais on voit que ça lui coûte quand même toujours de l'énergie de respirer. Donc ce que j'ai dit aux parents, c'est qu'on se donnait encore une petite heure pour voir un petit peu comment ça évoluait. Que voilà, si on arrivait à lui arrêter son oxygène, bah, elle resterait auprès de maman. Sinon, on devrait la prendre dans le service qui prend en charge les nouveau-nés. La petite Léa va-t-elle réussir à respirer toute seule ? Quand va-t-elle revenir auprès de sa maman ?
Devra-t-elle être transférée dans le service de néonatologie? Nice, sur les hauteurs de la ville, le centre hospitalier universitaire de l'Archer 2. C'est ici que sont prises en charge les grossesses à risque et les grands prématurés des Alpes-Maritimes et des départements voisins. Jason est né il y a 3 semaines, à 6 mois et demi de grossesse. Depuis sa naissance, il est hospitalisé en réanimation néonatale. Ses parents, George et Jessica, vivent en Corse. Ils ont dû le laisser seul à Nice pour s'occuper de leur fils aîné. Mais en l'absence de sa famille, le petit garçon reste quand même très entouré par les puéricultrices et les médecins de la réanimation. À l'heure du goûter, on les surprend d'ailleurs en pleine séance de vaccination collective contre la grippe. Je crois que ça va pas. Si, ça va. Elle blanchit. Elle blanche. Elle cligne des paupières et j'aime pas ça. Ça fait pas mal. Elle pleure. Bichette. Je suis en plein fou rire. J'ai senti chaque millimètre de l'aiguille rentrer dans mon muscle. Aussitôt les émotions de la piqûre passées, Elodie, puéricultrice depuis 7 ans dans le service, retourne auprès de Jason. Elle a une bonne nouvelle à lui annoncer. On va se changer, hein? Oui. Il est né à 1,3 kg et là, il est à 1,7 kg. Donc, il a pris 400 grammes depuis qu'il est chez nous. Tout va bien. Il a besoin encore d'être hospitalisé pendant un moment puisqu'il est encore prématuré. Mais en tout cas, au niveau du service de la réanimation et tout, il va bien mieux. Et du coup, aujourd'hui, il s'en va à Bastia. Oui. Jason peut enfin être transféré dans un service de néonatologie en Corse. Là-bas, ses parents pourront lui rendre visite tous les jours pendant les 4 à 5 semaines que doit encore durer son hospitalisation. Tu sais, maman et papa, ils sont déjà là-bas, ils t'attendent. Maman, elle sait que tu vas venir. Je l'ai appelée. Et oui. On change la couche, on se fait tout propre pour faire le voyage. Puis il va y avoir une copine avec toi, d'accord? Et oui, 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 oui. Tu regardes, hein? C'est rien. Ce soir, tout est calme. Et même après toutes ces années dans le service, Elodie s'émerveille encore en regardant Jason. C'est vrai que quand ils sont éveillés, ils font plein de choses qui sont impressionnantes en fait. Plein de mimiques, de sourires. Il va s'endormir. Jason, 3 semaines, va faire son baptême de l'air avec l'équipe du SAMU Corse. Avant le départ, Elodie prend le temps de le rassurer. Allez, ça y est. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Pendant ce vol, il va partager sa couveuse avec la petite Elisa, que ses parents attendent également à Bastia. Allez, ça va, c'est bon. Allez, tout le monde a tout. Bon retour, maman. Bon retour, merci. Allô, oui, bonjour. Vous êtes la maman de Jason? Oui, je suis la maman de Jason. Sans attendre, Elodie prévient la maman de Jason qui attend depuis 10 jours cet instant. Voilà, c'était pour vous prévenir qu'il était parti avec l'équipe, là, à 19h. Comment Jason va-t-il évoluer? Quand va-t-il rentrer à la maison? Comment ses parents vont-ils se remettre de ces premiers mois difficiles? Roubaix, maternité Paul Gelé. Dans une des salles d'accouchement, Lydie, 24 ans, et Sébastien, 28 ans, viennent d'accueillir leur premier bébé, une petite Léa.
Juste après sa naissance, elle a eu des difficultés pour respirer et a été placée en couveuse avec de l'oxygène. La pédiatre s'était donné une heure pour voir son évolution et décider ou non de la transférer en néonatologie. Tu colles. On a chaud. Une heure plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Léa va bien. Elle a pu quitter la couveuse et revenir en peau à peau sur sa maman. L'incident est clos. Noémie, l'auxiliaire de puériculture, peut maintenant s'occuper de Léa. 2,660 kg. Oh, bien estimé. La petite fille a passé presque 2 heures en soins et en couveuse. Et Sébastien n'a pas encore eu l'occasion de la tenir dans ses bras. Quand même, je suis un peu... même très ému de pouvoir la prendre comme ça au bout de... au bout de 8 mois et 15 jours de grossesse. Il était temps, quoi. Deux heures après l'accouchement, Lydie et sa petite Léa peuvent quitter le service et rejoindre l'étage des suites de naissance. Lydie veut allaiter sa fille. Alors Karine, une des auxiliaires de puériculture de la maternité, l'aide pour sa première mise au sein. Et le but, c'est quand elle est installée, vous voyez, c'est qu'elle est votre maman à peu près au niveau du nez. Commencer. Regardez, déjà là, elle commence à lever la tête. Oh, tu vas essayer de chercher tout ça, dis. Un petit peu plus haut, ma fille. Voilà, elle a trouvé. Alors maintenant, est-ce qu'elle va téter correctement? Alors, elle a trouvé, mais elle est juste sur le bord du mamelon. D'accord. Je vais t'embêter, chérie. Montre-moi ce que tu fais avec ta bouche. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'exprimer un tout petit peu de lait, au moins du colostrum, pour commencer. Et vous allez le mettre sur votre bout de doigt et vous allez me remplacer. Mettez-lui sur les lèvres, regardez. Ah, parfait. Et puis en plus, oh ben maman, elle a tout ce qu'il faut. C'est magnifique ça. Alors maintenant, mademoiselle, maintenant que tu vas mettre. Ça va être une chef de la tétée. Soyons positifs. À tout à l'heure. Lydie a encore quelques jours à la maternité pour faire ses premiers pas de maman. Ensuite, elle rentrera à la maison avec Léa et Sébastien. Aujourd'hui, Léa a 5 mois et elle grandit bien. Et même si les débuts n'ont pas toujours été évidents, Lydie et Sébastien ont maintenant trouvé leur marque. Gisonach, à 1h30 de route de Bastia. C'est ici qu'habitent Jessica et Georges et leurs enfants. Jamie, 6 ans, que Jessica a eu d'une première union, et Jason, le petit dernier de la famille, né prématurément. Mon ours. Mon bébé. Jessica était enceinte de 6 mois et demi quand une infection et de la fièvre ont précipité son accouchement. Jason est finalement né à Nice. Il ne pesait qu'1,340 kg. Il est resté 1 mois en réanimation néonatale à l'hôpital de Larchet. Pendant les 15 jours qui ont suivi sa naissance, Jessica et Georges sont restés près de lui. Mais il a fallu ensuite qu'il rentre en Corse et Jason est resté tout seul loin d'eux à l'hôpital. C'était très dur de le laisser à Nice sans le voir. Sans pouvoir savoir comment il allait, on téléphonait, mais bon, c'est pas pareil quand on le voit, nous. C'est vrai qu'il nous manquait, l'imaginer tout seul, s'il se passait quoi que ce soit, on n'était pas à côté, savoir s'il pleurait, s'il avait mal quelque part, tout, ou tout, quoi. On n'était pas du tout à côté de lui, on pouvait rien voir. C'est son évolution, parce que chaque jour, il y avait une évolution. Alors là, il a 3 mois et demi, et il pèse 4,1 kg, il est impeccable, tout va bien. Et il veut beaucoup maman. Les bras. On a donné un peu de mauvaises habitudes. Ouais, tout le temps avec toi.
Eh ben oui, toute la journée avec maman, alors. Ah. Qu'est-ce qu'a fait maman? C'est le lait de monsieur. Qu'est-ce que c'est? Au total, Jason a passé ses deux premiers mois de vie à l'hôpital. Alors Jessica n'a qu'une envie, en profiter à fond aujourd'hui. Quand j'ai eu ma césarienne, je ne l'ai pas vu. Ils sont de suite partis avec lui, donc déjà là, ça a été très très difficile. J'ai dû attendre presque 3 ou 4 heures avant de pouvoir le voir. C'est vrai qu'on n'a pas eu de contact de suite. Donc ça a manqué, ça, tout ça. Les premiers biberons, les premiers petits sourires, même si c'était pas voulu. C'est vrai que tout a été fait à l'hôpital, donc moi, j'étais pas tout le temps là. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut pas rattraper, hein. Mais bon, on en a nos moments, nous, ça y est. Hop là. Jason est en pleine forme et ne garde aucune séquelle de sa naissance à 6 mois et demi. Mais pour Jessica, c'est autre chose. Elle reconnaît qu'elle n'est pas avec lui la même maman qu'avec son fils aîné. C'est vrai que là, je suis quand même beaucoup plus protectrice. C'est vrai que je ne sors pas beaucoup, j'évite... très maniaque. Je fais attention au moindre microbe, tout ce qui le touche, je veux qu'il passe le produit désinfectant. Je fais très attention aux microbes. J'ai tellement peur avec tout ce qui s'est passé, la peur de le perdre. C'est vrai que comme il est né à 30 semaines, c'est très tôt. Il était tout maigrichon, petit. Donc ça fait vraiment peur. C'est vrai que là, je suis très contente de l'avoir. Heureuse d'avoir enfin son fils avec elle, Jessica a encore un peu de mal à accepter de le confier, même quelques heures. Pourtant, Jason est aujourd'hui un enfant comme les autres, même s'il va rester un peu plus surveillé médicalement pendant ses 6 premières années.